Le maillot est toujours le même, pourtant Didier Dinard n'est plus sur le terrain. Retraité depuis un an, le double champion olympique est désormais entraîneur adjoint de l'équipe de France. Son rôle, observer les futurs adversaires des Bleus à la loupe. Tu fais un brouillon vite fait parce que tu sais, il y a des caractéristiques de chaque équipe. Donc c'est préparer le match en amont et faire un retour en entraînement. L'objectif est simple, prendre le minimum de buts. Et en termes de défense, l'ancien pivot s'y connaît. Du haut de ses 17 années en sélection, il a tout gagné. Mais si Didier Dinard a rapidement pris ses marques dans son nouveau travail, il a dû changer son comportement de chambreur. C'est plus dans son rôle, on va dire. Voilà. Mais bon, de temps en temps, ça ne l'empêche pas d'envoyer quelques pics, notamment pour moi, quand je me déchire un peu en défense. Et je crois que Didier a très vite compris comment il devait agir avec les joueurs. Il a très bien pris ses marques dans le staff. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un gros plus pour nous, quoi. Un atout important pour les Bleus, car Didier Dinard n'hésite pas à donner des conseils aux jeunes. L'un des piliers de la génération des experts, qui pourrait permettre à l'équipe de France de retrouver les sommets du handball.